nous accorder la grâce de venir dans sa présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Alléluia. Je vais encore réitérer ce que j'ai dit au préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. J'aime Dieu. Il est le roi. S'asseoir, alléluia. Amen. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux dire shalom? Shalom à ton frère et à ta soeur. Dis shalom à ta frère. Bien-aimé, on se lève. On se lève. Tu te lèves, tu vas dire bonjour à tes enfants. Tu te lèves, tu vas faire. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille. Alléluia. 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 Transmets la chaleur à l'autre. Transmets ton amour à l'autre. Transmets la chaleur. Alléluia. Shalom, papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire vous aide à notre Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mot de l'Église que Dieu aimerait que nous puissions adopter. Alléluia. Amen. Nous ne vivons pas comme le monde qui vit pour le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Mais nous vivons parce que Dieu vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi et moi, nous appartenons à Christ parce que l'Esprit de Christ vit en nous. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que la Bible déclare que toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans plus... Oh,
très très fort pour la gloire du Seigneur Jésus. Vous serez plus de joie. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Il est mort notre Seigneur Jésus. Il est mort notre louange et l'adoration. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Ce moment, on va écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis maman Clarisse. Je crois que je suis avec vous. Ça fait déjà un moment. Et je crois que quand j'étais arrivée ici, j'étais à plat, quoi. Je me disais, qu'est-ce que je veux devenir dans la vie avec tout ce que j'ai. Mais comme a dit Papa Timothée, la solution était là devant moi, mais je ne voyais pas. Mais avec la famille LPJC que j'avais eue, avec papa et maman, ils m'ont conseillé, ils m'ont donné des belles conseils qui m'ont aidé vraiment à avancer dans ma relation avec mon Dieu. Et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour témoigner, tout juste parce que la joie du Seigneur m'a débordé ce matin. Amen. Depuis la semaine passée, parce que mon fils qui était à Congo, on était parti avec lui en 2018 à Congo à cause de son papa qui était malade. Et de retour, l'ambassade a refusé de lui donner le visa. Il était resté là-bas depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Il a tous ses papiers. Ce que je ne comprenais pas, bon, dans sa vie, je ne sais pas. C'est Dieu qui l'a voulu. Parce que je suis arrivée en France par la Chine. J'étais affectée en Chine. Et quand je suis en Chine, tous les enfants sont arrivés. Lui, il est arrivé le dernier. Et ce décalage a fait que de Chine pour arriver en France, il est arrivé aussi en dernière position. Et nous avons quitté ici pour aller en Afrique pour son papa qui était malade. On était arrivés. Mais le retour, il était bloqué là-bas. Donc, j'étais presque à bout de dépression parce que ça me faisait beaucoup de mal. Pourquoi lui? Et quand je suis allée, quand j'étais de retour en France, j'avais écrit à l'OFPRA pour demander pourquoi mon fils n'a pas eu de visa parce que je suis réfugiée. Et l'OFPRA m'avait envoyé tous ses papiers. J'étais repartie à Brazzaville. J'ai déposé la demande de visa et ils m'ont dit d'attendre. J'ai attendu pendant presque 2 mois. J'étais revenue ici en France en 2019. Et de 2019 à 2022, cette demande est restée lettre morte. Et au mois de juin, je suis repartie. Juin 2022, je suis repartie encore à Brazzaville. Là-bas, on était arrivés. Voilà. La chancelière nous disait des choses, vraiment, elle me répondait méchamment que toi, tu as abandonné l'enfant, tu ne suis pas sa demande, c'est pourquoi, on sait où se trouvent ces dossiers, donc là, madame, vous allez tout reprendre à zéro. Et j'ai tout repris à zéro. Au début, on nous exigeait de payer un billet. Tu payes un billet parce que c'est un visa retour. Tu payes un billet avant qu'on te donne le visa. Je paye pour... En 2019, on a perdu le billet comme ça parce que repousser, j'ai perdu le billet. 1200 euros, j'ai le perdu. Et maintenant, en 2022, j'ai payé encore un autre billet. On a pris ça en ligne, on a pris pour payer à plusieurs fois. Son grand frère a payé 400 euros. On lui a donné le billet. Et maintenant, j'ai entendu 2 mois, ils ont dit, non, ils ne peuvent pas, je dois attendre, parce que jusque-là, l'OFPRA n'a pas encore répondu. Et un jour, quand je suis allée à l'ambassade, j'étais accompagnée avec lui. De retour, on parlait, on discutait. D'abord, avant d'aller à l'ambassade, un soir comme ça, quand j'appelais sa petite sœur pour demander comment va papa, on s'est parlé et après, Fatima me disait, maman, comment s'avance le dossier de mon frère?
Je lui ai dit, ça ne va pas. Là, on nous dit d'attendre, d'attendre, mais comme si c'est la même chose, je ne sais pas. Et elle me disait, maman, tu sais, cette semaine, on a eu un partage au niveau des jeunesses. Et mon frère, Ruben a parlé le temps de Dieu. Et je crois que maman, ne t'énerve pas, reviens. Le temps de Dieu viendra. Amen. Et avec ce qu'elle m'avait dit, ça m'a beaucoup touchée. De retour de l'ambassade maintenant, j'essayais de parler avec son frère, je ne sais comment, l'aider à oublier les soucis, quoi. Il soit éloigné de la famille, tout et tout. Et quand j'essaie de lui parler, il me disait, maman, tu as beaucoup souffert, je sais. Mais si ça ne marche pas, rentre pour papa. Dieu fera. Comme a dit ma sœur, le temps de Dieu viendra. Et je suis revenue. Avec toutes les dépenses que j'ai faites deux fois, je suis revenue. Et je suis restée là, l'ambassade n'a pas appelé. Donc, ces derniers temps, il y avait eu les temps de prière, de jeûne, tout et tout. Et dernièrement, j'ai encore pris un temps de jeûne à la maison. Et comme ils sont allés tous à l'école, les frères, ces cadets, je suis seule dans la chambre. Papa aussi était hospitalisé, je suis seule. J'ai prié, j'ai adoré. Et après, je commençais à louer, à louer, à louer. Et voilà, mon téléphone sonnait. Et je me disais, ça c'est Satan ça, il veut à tout moment m'empêcher de finir ma prière, moi je ne prends pas. Ça insiste, quand je voulais voir le téléphone, c'est Brazzaville. Et je suis obligée d'abandonner, j'ai pris le téléphone et il y a une grande joie à la maison. Tout le monde me dit, maman, Yaya, Abou a reçu déjà son visa, l'ambassade l'a appelé, tout et tout. Amen. Quand j'ai écouté ça, je leur ai dit, attendez, je dois d'abord parler à mon papa. Et je me suis agenouillée. Il est le maître de temps. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Amen. J'ai forcé, j'ai dépensé. Même presque 5000 euros. Parce que je suis allée, la vie de là-bas, j'ai payé les billets, ça n'a pas marché. Payé les demandes de visa, ça n'a pas marché. Tout le temps. Et j'étais vraiment découragée. Donc, c'est pour vous dire que vraiment le temps de Dieu, avec le témoignage de Ruben et la prédication de papa que j'avais eue la dernière fois sur le temps de Dieu, là, ça m'a beaucoup touchée. Et je me disais, je laissais tout à Dieu, Dieu va le faire. Amen. Et le temps de Dieu est venu. Et cela s'est arrivé comme il se doit. Amen. Sans complication, on lui a demandé, amène maintenant le billet, un nouveau billet et les frais de laisser passer tout le temps. Et on s'était battu. Le lendemain, il a amené tout. Et le voilà, il est là. Donc, je remercie pour le soutien de FPJC. Merci beaucoup. Que Dieu rende le centuple à nos serviteurs qui sont toujours là pour nous aider, pour nous guider. À grandir dans notre relation avec Dieu. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'attendre que quelqu'un vous prie à votre place. Mm. Mais vous-même, quand vous agenouillez, quand vous demandez à votre papa, il va le faire. Amen. Amen.